Bonjour Marie. Comment allez-vous ? Son histoire a bouleversé beaucoup de Français. Nous retrouvons Jeannine Ganet dans sa maison de retraite. Elle est détendue, mais encore émue d'avoir revu son amour de jeunesse. Vous savez, c'est grandiose à mon âge que vous arrivez. C'est grandiose, je trouve. Grandiose. C'est tellement merveilleux de te revoir. Ces retrouvailles après 75 ans de séparation. Ça va. Alors, fera-t-elle à son tour le voyage vers les États-Unis pour le revoir? Elle n'est pas complètement sûre. Elle y réfléchit encore. Je pense que ça devait se faire comme ça, puis c'est tout. On n'a pas forcé le destin. C'est le destin qui nous a joué un tour. Parce que s'il était resté, bien sûr, ça aurait tout autre chose. Je pense à lui. Peut-être que lui, c'est pareil. On aurait pu. Mais c'est pas le présent. Hein. Ils se sont quittés il y a 2 jours. Les larmes aux yeux. La présentatrice de la télévision belge en a perdu ses mots. Pardon. Et voilà donc, pour ce superbe moment, excusez-moi. Ça arrive en direct. Donc, un beau moment que l'on doit aux équipes de France 2. Une rencontre vue 5 millions de fois sur les réseaux sociaux. Je t'ai toujours aimé, toujours. Tu n'as jamais quitté mon cœur. Il dit qu'il m'aime. Pendant ce temps, Katie Robbins est rentrée aux États-Unis. La télévision locale a filmé son arrivée à l'aéroport. Tous ici espèrent que Jeannine viendra le voir à Memphis.